Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et si on a l'autre plaisir, on a l'autre occasion, moi tourner encore sur la plateforme non avec une autre émission. Moi salue toutes les amis qui branchent Radio Parler Haïti, Chanel Parler Haïti. Eh bien, salutations par nous spéciales, qui papa bon Dieu continue bénir nous. Nous saluons toutes les fanatiques qui branchent dans l'international là, fanatiques qui suivent nous, regardent nous dans YouTube là. Fanatique capteur de nous, merci en pile que bon Dieu bénisse nous. Nous saluons si là au pays d'Haïti qui branche Radio Parler Haïti, fanatique inconditionnel. Moi saluons nous toutes de façon spéciale. Nous saluons tous personnages qui branche Radio A, capteur de nous, cap garder nous dans YouTube là. Nous saluons tout le monde qui est handicapé, que bon Dieu continue protéger nous, paysans dans pays d'Haïti. Moi saluons toutes fanatiques qui toujours aider nous partager chaque émission, quel que soit côté attendez ou regarder Chanel Parler Haïti, Radio Parler Haïti. Merci en pile que bon Dieu protège vous. Jodi a, l'autre fois encore, c'est jeudi mercredi 2 novembre 2022. Jeudi mercredi 2 novembre 2022. Quelques informations cap domine actualité à nous porter pour. Moi salue toute équipe à l'Haïti, Pasteur Jéhovah, Maître Chenel, Libonet, Tiedoua. Nous salue Woni. Il s'appelle Woni, mais il est le bout de tonton. On allez. Première information nous voilà là sous dossier insécurité à qui prend l'autre phase. Et phase ça capable mettre Haïti dans un état que même avion gen doit pas descendre dans pays encore d'après information qui rive jeune nous là. Haïti sous menace pour avion pas venir dans pays ça encore. Pour qui ça? Parce que gen un groupe gang devant airport là. Et bien groupe gang ça qu'on y a là, yo entré en dans airport Toussaint Louverture pour al kidnapper moun kap travay en dan. Oui, s'entend bien, c'est ça. Fédération internationale des associations de contrôleurs aériens a dénoncé attaque bandit avec gros armes dans le pays d'Haïti a fait contre contrôleurs aériens qui veut dire qu'ils entrent là pour aller kidnapper et moun kap travay dans pour aller kidnapper pilote pour aller kidnapper moun kap travay dans avion yo. Et bien samedi passé a yo te kidnappé trois contrôleurs aériens que bandit te kidnappé samedi passé. Te gion yo blessé, li recevra yon balle. Et bien balle sa la li recevra la prend soin l'hôpital. Et bien attaque sa a été faite samedi passé a madame monsieur ande airport Maïgatea airport international Toussaint Louverture. Et bien gang entre dans airport là pour al kidnapper pilote pour al kidnapper moun kap travay nan avion yo. Et bien ça qui cause gen pile vol international. Et bien qui menace pour yo pas venir en Haïti si ça continue comme ça. Parce que yo déclaré gang entré en dans airport là, et bien pour menacer pilote, pour menacer contrôleur mon cap travail dans airport là, bagaille la compliqué et le prend l'autre phase. Et bien c'est ça qui cause yo dit si ça pas résoudre, et bien yo pas continuer comme ça madame ici. Et bien attaque ça yo gang fait sous contrôleur aérien ça yo, et bien yo dit Haïti son pays qui danger en pile. Et gen pile compagnie avion qui a analysé dossier ça, yo dit s'il continue comme ça, yo pa vini nan pays d'Haïti encore madame ici. Et sak pitris là encore, bandi a kidnappé diaspora qui fait descendre dans l'aéroport là. Moun qui fait rive dans pays là, gang a kidnappé. Attention, ou même captain de nous cap garder nous et leur rive en Haïti et prudent puisque devant l'aéroport là gâté avec gang. Eh bien, gang yo même, y a contrôlé moun pour capable kidnapper moun kap entre dans pays d'Haïti. Pays Canada sous route pour le responsable, pour prendre responsabilité sous corps militaire international qui doit venir dans pays. Pas gen route pas bois et yo déclaré, malgré Jean Saé, corps militaire international là, faut qu'il débarque dans pays d'Haïti. Et dans dernière lettre, Premier ministre de facto a été voyé par les Nations Unies. Il dit pour Ariel, pas besoin de fatiguer. Il a analysé le dossier. C'est une entente qui gagne, qui peut le faire là, qui suppose faire entre Canada avec les États-Unis pour toute bagaille conclue. Et d'après l'information de nos jeunes là, le pays Canada est en route pour prendre responsable corps international. Il a voyé dans le pays d'Haïti. Parce qu'il a déclaré, Jean Saïla, il n'est pas qu'à continuer comme ça. L'autre bagaille tout, nous connaissons. Et gagner association journaliste qui dénonçait on sait des les polices, on dit les polices, nous pas dire la police parce que policier là bon la police là pour servir et protéger la police pour tuer journaliste.
côté en pile les police gang Ariel Henry mette dans la ria là pour tuer journaliste. Yo déclaré ces journalistes qui vendent information, ces journalistes qui mettent cause yo dans la rue, eh bien yo monté un corps là, un corps illégal pour marcher tuer journaliste. Association des journalistes dans le pays d'Haïti, yo continue dénoncer ça, eh bien et spécialement pour journaliste ça qui était mouri dans commissariat dans Delma, eh bien yo mandé justice pour jeune journaliste ça qui arrivé perdre la ville madame c'est en babal bandi. Bref, et l'autre information nous connaît cap domine actualité a et dossier maladie choléra continue à tailler banda dans pays d'Haïti. Dossier maladie choléra continue à tailler banda dans pays a, et bien département yo jeune qui gagne plus cas ça là dans département l'ouest pays a avec département Latibonite qui gagne plus moun qui gagne maladie choléra en pile l'hôpital et pas fonctionner parce que gaz là malgré yo dit gaz là libéré mais information nou jeune là gagne l'hôpital qui pour capable joindre gaz là. Yon groupe ti moun nan Wanamet après les en mwen sekou à cause grand goût avec la vie chère qui nan koyo ça fait ou pas caler l'école. Et bien ti moun sa ou di yo gen gros problème puisque grand goût nan koyo et yo pas caler l'école. Yon groupe ti moun nan commune Wanamet yo rassemblé devant local radio et Xana Vision. Eh bien yo di yo même ça k'ap passé nan pays a yo même yo concerné puisque c'est haïtien et tout. Yo grand goût parents yo pa gen rien pour yo ba yo, et bien ti moun sa yo qui continue à dénoncer moun ki nan tête l'état pour faire un gens pour yo. Pour ti moun yo, c'est premier ministre de facto a Ariel Henry qui c'est problème pays a, et c'est ça qui la cause yo même y a passé misère comme ça dans pays a. Selon sa plusieurs ti moun dit, eh bien yo fait konnen si Jovenel Moïse te là, c'est pas comme ça yo tapé pendant yo mandé premier ministre de facto Ariel Henry pour le démissionner et puis mettre à la disposition la justice. On sait les ti moun qui fait déclaration ça. Ti moun yo déclaré sous Jovenel Moïse, yo te kon aidé parents yo parce que président Jovenel Moïse te kon bay yon ti chèque avec chaque parent pour yo dégager yo. Ti moun yo di nan ti kòb sa, président te kon bay parents yo et bien yo même te kon dégager yo la donne puisque après l'ambo président, bagay la vin compliqué puisque pour jeune kòb prêté dans pays a, faut qu'ou gen marraine, faut qu'ou gen parraine. N'ap mande avec technicien nou, fait nou tande déclaration ti moun yo. Et n'ap mande technicien nou, c'est pas nous même k'ap parler, faut que ti moun yo parle. Ou pare? Ou ni? C'est pas seulement grand monde qui a manifesté, mais plutôt si vous avez un problème qui a passé dans le pays là, et bien vous levez le campé tout vous-même, vous prenez après les embrouilles, c'est coup contre la vie chère. Insécurité et au pas à l'école, ça fait triste. Et bien ti moun sa yo mande départ premier ministre de facto Ariel Henry qui pas jamais longe men bay madame monsieur qui blé dans pays a. On allez et yon ti information qui vraiment important pour dossier funérailles artiste Mika Ben. Funérailles artiste Mika Ben a retransmettre live seulement sur page avec channel YouTube artiste là et c'est équipe production a qu'a partager image avec toute média. Qui veut dire ou même qui pas gain chance aller dans funérailles là ou capable suivre et funérailles ça qui côté on va retransmettre live dans Facebook et sous channel YouTube artiste Mika Ben avec page Facebook artiste là. Et bien qu'on y a là et ou même qui t'a besoin et qui aux États-Unis qui t'a besoin participer dans funérailles là, m'a faut attendre plus information comment ça pour aller et qui côté on va enterrer artiste Mika Ben madame Bessé. Dixon Saint-Ville. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour venir fonti parler avec nous dans un contexte spécial. Une vidéo moins fait pour moi bail quelques détails sur cérémonie funéraire ou bien service mémorial que famille Michael Benjamin a fait dans l'État Floride aux États-Unis particulièrement dans Miramar. Mon cap suivre page ça, nous ouais moins fait un tweet pour bail
détails sous date, cérémonie ça a fait, mais tout espace ou bien adresse exacte que service mémorial là lui-même li a fait. Nous capable voir adresse là a défiler sous écran, c'est dans Civic Center qui dans Miramar. C'est un espace d'abord pour nous commencer qui gagne en capacité. C'est peut-être ça dans note là famille préciser que yo pas ka prendre pile monde. C'est peut-être ça yo mandé pour moun yo non seulement vini bonheur mais faire en façon et mettre dans tête yo tout gagne des monde qui pas ka rentrer, y a obligé garder cérémonie sous un série de grand écran qui a disposé dans espace là pour permettre yo ouais même là yo pas dedans. Selon information que me gagne espace ça qui dans Miramar li gagne en capacité de 700 ça veut dire 700 moun ni ka prend en dedans côté service officiel là lui-même li a fait gagne deux autres espaces dans même et terrain qui capable prend 300 et 300 moun ça veut dire 600 donc l'homme mettait tout ensemble 700 plus 600 nous et combien ça bail donc pour accueillir ou du moins éviter gagne ta cap dit bourara foule moun kap envahi non seulement on mande pour moun vinn bonheur mais yo geta averti que gagnen écran que yo pral disposer pour moun capable e regarder et famille li mande pour tout moun vinn en blanc ça qui paraît normal m te di ça dans tweet là et yon bay ki important c'est que famille informé que a bien et espace bien spécifique pour moun ki vle bayon ti mot du moins c'est et adresser famille et by des mots de condoléances etc. A bien espace pour ça, a bien cahier pour moun et capable et mettre mots spécial yo. L'autre bagay encore, nous connaît Miami Florida, alors toute state Florida même son state à n'importe qui l'applique à tomber. Donc li tap intéressant moun kap vinn la cérémonie ça, yo marcher avec parapluie parce que pa jam konnen la pluie tombe n'importe qui dans l'État Floride. Ça c'est pour aspect logistique, espace là, famille by détails sur ça. Et pas sûr que espace ça li couvri, m'adapter de Guillaume qui t'a parlé dans l'émission, li conseiller moun yo vinn avec parapluie parce que on moun ki dehors par exemple, si la pluie tombe et li capable mouiller et même si gagne écran, li ka difficile pour moun camper suivre événement ça qui a attiré en pile moun et même mandé tête moi est-ce que espace là l'a capable accueillir tout le monde. Maintenant, on parle un aspect qui est extrêmement important qui gagne pour avec production qui peut-être concerner moi-même comme journaliste, li peut-être qu'a concerner ou même qu'a regarder la même sous pas journaliste mais on bon idée de comment production lui-même li pral fait et journaliste qui en Haïti particulièrement, li important pour yo connaître ça. Absolument ça. Et famille Mika Ben fait connait et cérémonie la pour transmettre exclusivement sous page Facebook et channel YouTube Mika Ben. Ça veut dire c'est Mika Ben qui a bien exclusivité à cérémonie et selon ça m'te parlé ensemble avec Guiwewe jusqu'à présent famille yo pas parlé de cross post au monde qui fait tant de mots ça cross post c'est le par exemple au monde a diffusion bagage sous page li mais li permettre que gagne l'autre page qui retransmettre ou bien prend même contenu la gagne sous page li comme si c'est lui même qui était live donc m'pa croire ça possible c'est Mika Ben qui a bien exclusivité ya. L'autre bagage encore en termes de production et média qui en Haïti particulièrement du moins toute média qui t'a remis bail en direct équipe production a voyé yon feed by média ça c'est comme si la share li bali la voyé lien et puis média ça lui même la capable diffuser cérémonie en live ça veut dire tout ça qu'a fait c'est dans source de la sortie donc en média en termes de retransmission live et pas même quoi li important pour déplacer avec caméra parce que gon équipe production en parlant de production et c'est un consortium de techniciens de caméraman qui pral mettre ensemble pour produire un service mémorial ça et information que me gagne c'est Guiwewe radio qui pral coordonner qui pral mettre ensemble avec plusieurs techniciens dans domaine là qui très bon qui pral retransmettre li ou bien pral produire cérémonie ça et l'autre bagarre encore une bagarre pour média ou même yo connaît c'est que espace ça son espace par rapport à Jean lié quantité monde qui pral là dedans di ka peut-être ba ti problème pour retransmission surtout signal internet. Donc l'étape important pour équipe production lui-même li installer à temps comme ça pour essayer gérer ça capable venir.
Média qui fait déplacement, par exemple, Radio Télévision Caraïbe, nous-mêmes, n'a là. C'est vrai que nous ne pas venir avec caméra nous, pour nous retransmettre en direct, mais ça qui est important, c'est que les médias capable venir pour le faire plateau, par exemple, faire introduction, parler ensemble avec le monde, faire des interviews sous place et avec des micro-baladeurs, ça qui permet que vous jouez une réaction monde qui vient. Mais en ce qui a trait avec retransmission live, j'aime se dire, c'est Mika Ben, Facebook et YouTube qui a gagné. Exclusivité. Donc, c'est peut-être ça que je voulais partager ensemble avec nous, des éléments qui sont extrêmement importants. Ça pour nous, Kembe, 6 novembre, dimanche, qui est venu là, service mémorial pour Bayon dernier hommage à Mika Ben, la fête dans Miramar, dans l'État Floride aux États-Unis. Ça pour nous, Kembe, c'est que la famille a dit que c'est un bonheur, mais la porte a ouvert à 1h de l'après-midi. Moment salutation, il a commencé de 1h. Jusqu'à 2h30 et puis cérémonie officielle là lui-même l'a commencé à 3h. Donc c'est ensemble de éléments que me devais partager ensemble avec nous monde qui voulait faire déplacement, déplacer bonheur, mais tout mettre ça dans tête nous espace là c'est sûr que le pape cap quand tout le monde, il y a monde qui va venir qui pas rentrer même côté il y a installé ou du moins s'il a fait mise en place pour corps Mika Ben, il y a monde tout mettre dans tête nous c'est deux on a pièce dans écran n'a pas regarder. Et même gen moun tout ki gen doit pas même gen accès avec espace là. Merci tout le monde, m'espérer. Voilà, merci avec Erickson, merci en pile. On allez. Et ça qui passe encore là pour supposer qu'on est gagné organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, yo mandé avec l'État pour prendre disposition pour freiner dossier insécurité. Mais maintenant de côté l'État, à qui l'État et organisation ça parler, puisque nous pas connaissons l'État dans le pays, non? Nous pas connaissons dirigeant dans le pays, non? Son pays qui vit dans le pays savant, nous lié. Et de toute façon, et en dans des plus détails, organisation citoyenne qui mandé pour l'État prendre disposition pour capable freiner question insécurité à captaille bandan dans le pays. Nous toujours déplorer, condamner Jacques insécurité qu'a fait la une dans mitan population a, côté citoyen paisible a victime chaque jour et puis c'est mon examen qui a fait la une aujourd'hui à Haïti trouvé dans une situation côté nous a fait face à un conflit armé dans tout pays a, ça qui vient faire la vie mon pas représenté rien violence sous forme actifi mon a mouri de ça et là. Et situation est vraiment inacceptable. Et l'État lui-même n'a pas posé des actions réelles pour que vous puissiez des solutions appropriées. Donc, c'est une situation qui révolte tout le monde, révolte au CNH, et qui a une obligation pour que vous ayez un bagage qui fait le plus vite possible. Parce que dans la phase nous est là, c'est presque incapable de dire, c'est dans la phase côté nous pas capable encore. Il faut qu'il y ait un bagage qui fait parce que il doit moun pas respecter et il y a un impact sur la population en général et ça veut faire pays bien vivable. L'assassinat d'Éric Jean-Baptiste là, il prolonge liste victimes. L'assassinat d'Éric Jean-Baptiste là, il prolonge liste victimes qui attendent justice dans main l'État tadoué garantie vie chaque citoyen. Assassinat de Jean-Baptiste là, une fois encore, prouvé nous en face yon l'État qui n'est pas capable de protéger la vie à bien. Et c'est pour ça que le CNH lance un appel. Bon côté, les soi-disant autorités de ce pays, quelle que soit la nature du gouvernement, lui gagne obligation pour garantir droit chaque citoyen protéger bien qui gagne dans le pays. Jodi, ça nous a vivre là. Côté moun a continué mourir, y a continué assassiner moun, y a continué vandaliser les biens publics, etc. Donc, c'est preuve qui montre l'État en faillite. Et une fois encore, faut qu'il y ait des mesures qui prennent au plus haut niveau, dans toute dimension, pour permettre la situation de revenir au calme. C'est tout à fait. Au CNH, il y a une position technique
Parce que nous, au niveau de cette organisation de droits humains, nous pas gagné opinion politique là. Nous gagnons opinion qui peut aller dans le sens pour intérêt, pour capable et protéger la vie à bien. Question, intervention, bien, et résolution pour permettre à ce que gagne une nouvelle force étrangère qui vient dans le pays. La position de l'OCNH, c'est que Haïti trouve dans une situation où actuellement n'a fait face à sa crise humanitaire. Lorsque on fait face à la crise humanitaire, parce qu'il y a un conflit armé, il faudrait que gagner des dispositions qui prend pour éviter les dégâts, pour éviter perte de vie en matériel et perte de vie humaine. Il faut gagner des dispositions qui prend pour ça. Et c'est dans ça, ça nous-mêmes. Et selon le principe d'humanité, au nom du principe de l'humanité, au nom des droits internationaux humanitaires, nous souhaitons, et c'est tout à fait évident, pour que vienne une disposition qui prend dans souci pour capable protéger la vie à terre. Donc, nous sommes pas capables de vivre dans une situation où chaque jour, demander pour que c'est la police nationale qui fait intervention. Pendant ce temps, on a continué à mourir. Citoyens paisibles, tous les prisonniers. Et les civils armés eux-mêmes ont bénéficié de toute liberté fondamentale. Et si pour l'intérêt, on n'a pas joué de ça comme liberté fondamentale, à cette phase, la situation est même inacceptable. Or, si c'est inacceptable, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent. Et nous-mêmes, ce que nous disons au niveau de l'OCNH, au nom du principe de l'humanité, Haïti a signé des conventions internationales sur la protection des biens culturels, sur la protection de la vie des citoyens. Et sur ce, il est extrêmement important pour l'autorité haïtienne de l'entendre coller avec des organismes internationaux. Poser des actions en façon pour capable réduire la question de sécurité et permettre à ce qu'il y ait un climat de paix qui crée dans le pays.